combien de temps qu'il était pour Haïti libéré? Parce que je ne j'ai dit, nous capables, dans quelle situation pays a trouvé? Râler chez ou chita, ou pral le temps de causer, oui. Bagaille en pile et yo bouleverser l'esprit. Déjà, m'a dit, mettez ved l'eau disponible. Restez là. Ce ministre Berthaud dans ce qu'a fait causer dans la République. Oh my godness. Femme dit où? Ministre débarqué dans la ville au Cap. Rivé dans le restaurant la caille. Pendant la manger, gen deux jeunes petits garçons. Cap gardel dans les yeux. Ministre anti Jean estomaqué. Gentil proverbe créole l'a dit. Assassin toujours suspect. Sortant de là, li pral prendre des petits messieurs, li mette yo nan prison. Ou peut-être ça seulement. Mais si gen moun ki pou pata ka gade moun nanje, c'est ministre Berthaud d'Or, c'est pas vrai. Parce que lui-même, il te mette dans prison déjà pour drogue. Et la Maria est tellement belle pour lui, li fait changer nom. Mais qui ça passe qui fait depuis deux semaines, Izo prend contrôle parquet. Ministre justice là pas jamais prêté douette li. Même gade l pa ka gade bandi yon nanje. Et puis c'est au cap là le pose action comme ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'bra l'expliquer ou. Gentil proverbe créole l'a dit. Dent pourri. Des forces sous mon ennemi. Ah, ah, qui te paye en repos pour pas mourir nan poto. Yon homme comme ça, chita, chita l'avant, medel. C'est pas bon d'en gaper ça. Oh oui. Premier ministre Ariel Henry rive Suriname. Il y a un journaliste qui posait la question sous dossier insécurité à cap ravager pays d'Haïti. Mes amis, réponse père Ariel, bye journaliste là c'est payé poté. Ou bra le temps de oui. Gentil proverbe créole l'a dit, Georges cherché, Georges trouvé. Et c'est sous parole ça m'a dit ou bienvenue. Pendant m'a invité à aller chez ou chita, faut qu'aux amis, et faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir, m'bral ba ou tout tripotaille ça ou nan bon timamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci. Faut frapper toute porte pour qu'on ait qui ça cap passé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça fait longtemps, n'attendait qu'il y ait une prophétie pendue sous tête pays d'Haïti et c'est depuis sous président Jean-Claude Duvalier. Et au bon matin, président Jean-Claude besoin qu'on ait qui ça l'avenir dit sous famille, sous lit, ak sous pays d'Haïti. Li réuni divers ougan dans palais national, li réuni des voyants pour venir dire qui ça qui pral passer. Mais souvent, là où on débarque, là où on voit un débarque, il vient d'où des causes. C'est pas à cause que yo fabriqué au vinzou. Mais, c'est eux-mêmes qui ont pidé devant passer, ils ont expliqué ou. Et des fois, ils ont expliqué ou, là, on va cacher dit ou. Hadje la vie ça ou. Les comptes difficiles pour comprendre. Donc, laisse ça, sous pas mettre tête ou sous épaule ou. Pour que ou casser tête tournée pour aller faire des sacrifices mande pardon donc bagay yo kon vraiment difficile pour mais moi même je m'a regarder bagay yo là moi toujours dit son seule prophétie qui pas ka détourner son seule prophétie vrai la privé quand même parce que est-ce que Satan lui même dans niveau rivé là li pral prier mande bon Dieu pardon pour faire grâce pour parler dans l'enfer. Est-ce qu'elle comprend magayo? Mais tout ça qui dit sous tête la vie, yon citoyen, yon être humain, bon, on pense que des bagailles que le café qui capable bloquer mal ça qui pendait sous tête li. Eh bien dans époque sa frère et sœur bien-aimé, il y a un jeune journaliste qui relait Hardy Jean Gardy. Donc à l'époque il t'a travail et la majorité gros spectacle ça yo li te kon toujours al participer, al faire reportage, etc. Jou sa, te ki te gen gros cérémonie qui t'a fait en dedans palais national, eh bien, qui sa ki pral passe, l'el rive devant, li te dans vingtaine ni, et yon gros autorité qui dit le kon sa, ou pap ka rentre non? Bagay sa trop pou la jou. Ou pap ka rete de yon. Mais, à condition, l'el ke m soti, m'ap explique ou tout ça qui t'est passé. Donc, effectivement,
la que séance nan fini, autorité ça qui te dit le rete de yon, immédiatement séance nan fini, m'ap capable expliquer ou, li kebe promesse li, l'el soti vre, li explique l tout bagay. Mais à condition, tout autant Duvalier vivant, pi gon jam répéter bagay comme ça. Tout autant Duvalier vivant, pas sorti livre sous dossier comme ça. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, dans une interview, t'es gagné dans la télévision Métropole, citoyen si là, gè chance expliquer tout détail, dit, qui va les prophéties qui déjà passaient, combien qui était, et combien de temps ça prend tout pour le pays d'Haïti capable de libérer. Frères et sœurs bien-aimés, m'ont invité à vous suivre avec un pile attention. N'a pas tourné pour commenter, t'allez comme ça. Écoutez, ces prophéties venaient de la part des gens qu'il avait invités à le rencontrer le 16 janvier 1986. Il faut dire que pendant cette période, le peuple manifestait et réclamait la chute de Duvalier. Alors, il avait entamé une série de consultations auprès de tous les secteurs. La conférence épiscopale, il avait rencontré les évêques, ensuite la conférence des pasteurs protestants, et le 16 janvier, il a invité les Ongans. Et il y avait 7 qui sont rentrés, qui sont venus le voir et discuter avec lui. Et ils sont arrivés au palais national à 9h du matin. Et vers 3h, ils ont laissé le palais. Non, mais est-ce que c'était pour une séance de, comme on les appelle, une séance de cartomancie, par exemple? Est-ce que Duvalier Théry Léon Gain vient de battre 4 poulets pour dire les 4 vérités? Non. Pour dire ça, quoi le passé? C'était justement des consultations. Des consultations. À l'époque, moi, j'étais directeur général de Télé-Haïti. J'étais directeur général de la télévision privée par câble. Et j'étais dans ma vingtaine, donc j'étais aussi directeur de l'information à la télévision. Et j'étais présent, j'allais souvent couvrir ces événements. Et je savais, par exemple, que quand il voulait rencontrer les évêques, que Monseigneur Gagnon du Cap Haïtien ne voulait pas venir, n'était pas venu. Monseigneur Constant des Gonaïves non plus n'était pas venu. Et donc je couvrais ces événements. Et ce jour-là, c'était pour rencontrer des Ongans, pour rencontrer, discuter avec eux, pour essayer de comprendre et qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et c'était pas forcément pour entendre des prophéties. Et il a été d'ailleurs étonné, selon ce que j'ai compris, pendant que j'étais pas dans la salle à ce moment-là, mais je les ai vus rentrer. Et l'ambassadeur Théo Duval, à l'époque, qui était un mulâtre brillant, intelligent, et qui était en Hollande, était rentré. Et il m'avait dit, écoutez, vous pouvez pas rentrer dans cette salle, mais peut-être qu'après, je vous dirai un peu. Et je crois qu'il a tenu promesse. C'est-à-dire, il a tenu promesse, il m'a dit plus ou moins quelques informations sur cette réunion, mais il m'avait demandé à l'époque de ne pas les révéler. Il a dit, écoutez, si vous voulez les révéler un jour, il faudrait le faire après la mort de Duvalier, si ça arrive dans plusieurs années. Mmh. Alors, évidemment, moi, à l'époque aussi, il faut dire que moi, je ne croyais ni au Dieu ni au diable. Mmh. J'étais un libre penseur, et d'ailleurs, la plupart de mes amis... Bon, c'est parce que vous étiez jeune, peut-être. Oui, ouais, j'étais dans ma vingtaine, mais la plupart de mes amis avaient déjà dépassé 40-50 ans. C'était Roger Gaillard, qui était d'ailleurs athée. C'était Franck Etienne aussi, libre penseur, et, ou encore Rassoul Labuchin. Donc moi, ces gens que je fréquentais d'ailleurs, qui étaient plutôt à gauche, ne croyaient pas non plus dans aucune forme de superstition. Et moi, personnellement, comme je dis, j'étais libre penseur et je ne croyais pas dans tout ce qu'on m'avait raconté, mais j'avais pris des notes. Et ce qui s'est passé, c'est que des années après, j'ai découvert que la plupart des choses qu'on avait annoncées, c'est-à-dire peut-être que je n'y croyais pas, mais se sont révélées vraies. Mmh. Le 16 janvier, ils ont dit à Duvalier qu'il partirait dans 21 jours. Et s'il ne part pas, il mourrait. Mm-hmm. Et ça s'est passé exactement 21 jours. On ne lui avait pas dit qu'il avait des possibilités d'organiser des élections ou... On lui a dit qu'il aurait dû organiser les élections avant, mais mm-hmm. qu'il ne les avait pas réalisées comme Ferdinand Marcos. D'ailleurs, ce nom a été cité lors de cette rencontre. Et Ferdinand Marcos des Philippines, on lui a dit aussi que dans 21 jours, Ferdinand Marcos tomberait. Et le 7 février, effectivement, le président des Philippines est tombé du pouvoir, ainsi que le président d'Haïti. Et on lui a annoncé que, évidemment, il a 36 ans. Et à l'époque, en 1986, il avait 36 ans. Et il lui avait dit qu'il aurait dû passer 36 ans au pouvoir en tant que président à vie. Et parce que Duvalier aurait, lors de rencontres évidemment ésotériques, souhaité avoir 57 ans au pouvoir. Mmh. Et il lui a dit donc que 57 ans après, évidemment, 1957, il mourrait. Et on avait annoncé ce genre de choses et qui, pour moi, paraissaient un peu bizarres. Jean-Claude Duvalier mourrait 57 ans après 1957. Après 1957. Donc ça fait 1994, non? 2014 alors.
Absolument. Ça veut dire que 2014, mais après son départ, ça veut dire qu'on espérait évidemment qu'il garde. Non, alors, 1957, 2014. Ça fait pas 57 ans, non? Ouais. Ça fait 57 ans? C'est 57 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais. Ok. Donc c'est ce qu'on lui avait annoncé. Peut-être qu'on lui avait dit aussi qu'il allait mourir 57 ans après? Qu'il allait mourir 57 ans après. C'est pas ça qui s'est passé? C'est exactement. Ok. Exact. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé encore, c'est qu'on lui avait dit qu'il devrait passer 36 ans et qu'à 36 ans, il devrait partir. Donc, c'est-à-dire, on est rentré carrément dans ce qu'on appelle la numérologie avec lui. On a fait donc ses calculs. Et il y a eu donc pour moi de très drôles de coïncidences. Ça veut dire que ces coïncidences, moi, m'ont permis de comprendre qu'évidemment, je détenais des informations qu'on m'avait communiquées depuis l'époque où j'étais donc journaliste de télévision et qu'il fallait absolument révéler. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre. J'ai un livre de 400 pages sur cette période qui s'appelle « La chute de Duvalier » et je rapporte dans ce livre, évidemment, tous ces éléments-là. Et ce livre va être publié pendant l'été. Mm-hmm. Et je crois que aussi, pour revenir sur ces prophéties qu'on avait à Duvalier, qu'on lui avait annoncé, parce qu'il avait demandé, il souhaitait savoir, mais qu'est-ce qui va arriver après lui? Mm-hmm. On lui avait dit que Henri Christophe allait devenir président de la République, il n'avait rien compris. Mm-hmm. Et qu'on lui avait dit aussi que immédiatement après, qu'il y aurait donc le général légitime, qu'il y aurait le général Boiron-Canal, qui aurait le trait d'une femme, peut-être la femme même de Jean-Jacques Dessalines. Donc des choses codées que personne ne comprenait. Et on a annoncé après cela qu'il y aurait... Quand il a cité les noms de Henri Christophe, de Boiron-Canal et autres, est-ce qu'ici on pourrait tenter de parler de réincarnation? Pas forcément, pas forcément. Et ce serait plutôt des incarnations. Ouais, pas forcément de réincarnation. Mmh. C'est vrai, par exemple, que Herta Trouillot, on avait dit que la femme de Jean-Jacques Dessalines va devenir président d'Haïti. Herta Trouillot s'appelait, c'est vrai, Marie-Claire Heureuse Herta. C'est son prénom. Et elle a épousé Jean-Jacques Dessalines Ernst Trouillot. Donc, c'est-à-dire que c'est des coïncidences assez bizarres. Et que Duvalier n'avait pas compris. Duvalier n'avait pas compris au départ. Et surtout, Henri Christophe n'avait pas compris. Mais c'est vrai. Ça allait être Henri Nafi. Ça allait être Henri Christophe Nafi. Mm-hmm. Donc, c'est le prénom de Henri Christophe. Donc, qui rapportait, qui disait ça à Léon Gant ou bien Léon tout? Gant. Il y a eu un essai. Excusez-moi. Est-ce que ces Léon Gant étaient chevauchés par des esprits, par des lois, en annonçant ces informations à Jean-Claude Duvalier? Ils étaient tous possédés, selon les informations. À ce moment-là. Au Palais National. Au Palais National même. Ils étaient possédés et ils racontaient au président de la République, il y a eu un esprit qui est arrivé, et d'ailleurs, c'est ce que m'avait rapporté l'ambassadeur Duval à l'époque, qui s'appelait Olicha. Olicha qui s'est déclaré inspecteur général du monde des esprits dans le panthéon du vaudou. Mmh. Moi, je crois que j'ai été, par exemple, en Afrique, j'ai été au Bénin, j'ai retrouvé le même Olicha dans le panthéon vaudou du Bénin. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, donc ces informations ont été communiquées au président de la République, qui voulait savoir, évidemment, de ce côté-ci. Et c'est vrai également que les Illuminati, ça veut dire les Illuminati de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix, n'avaient pas été invités par Duvalier pour savoir ou pour approfondir ces éléments. Mais, les éléments africains, ça veut dire les esprits africains qui chevauchaient ces personnages, auraient rapporté à cette époque un ensemble d'informations que nous avons vérifié sur la base de l'information insolite. C'est-à-dire, l'information insolite nous a permis de faire des enquêtes, deux formes d'enquêtes. L'enquête sur les personnalités, les noms qui avaient été cités, et une enquête journalistique sur la base aussi de la généalogie, pour comprendre plus ou moins ce qui s'est passé et ce qui allait se passer dans ce pays. Mmh. Quand on a dit, par exemple, quand on a dit à Duvalier en 86, et moi j'avais noté tout ça, qu'un jour arriverait au pays comme président l'instant Saint-Fort de Pradine. Et il avait dit, un danseur de carnaval va devenir président de la République. Et il a dit aussi que l'instant de Pradine, c'était le chef de cabinet du président Alexandre Pétion. Et il était assisté par Laurent Michel Vieux. Et après, donc j'ai regardé, plus ou moins, dans cette enquête généalogique et dans cette enquête aussi par rapport à ce qui avait été dit à l'époque, ce qui se passe, ce qui s'est passé après. Et c'est vrai que le grand-père de l'actuel président d'aujourd'hui, c'est monsieur de Pradine, c'est monsieur l'instant de Pradine, le chef de cabinet d'Alexandre Pétion.
D'ailleurs, le fils de l'instant de Pradines, qui s'appelait Saint-Fort de Pradines, est devenu président de la République d'Haïti, provisoire, en 1870, le grand-père de M. Martelly. Et quand je lui avais dit, il était même très étonné. Et je crois aussi que le chef de cabinet, assistant chef de cabinet de Pétion, qui était Laurent Michel Vieux, et c'était aussi donc l'assistant de M. de Pradines. Donc, le petit-fils de M. de Pradines est devenu président de la République, et son premier ministre a été Laurent Lamothe. Et je crois que qui est directement le fils de Michel Vieux. Et parce que, bien entendu, il faut prendre... La généalogie est très courte, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire, sur cet aspect-là, je ferai rapidement. Mm-hmm. Quand, par exemple, on voit M. Lamothe, son arrière-grand-père, c'était Laurent Michel Vieux, le chef de cabinet assistant de M. Pétion, et du président Pétion, et évidemment, il a donné naissance à Beaubrun Vieux a donné naissance à Constant Vieux, et Constant a donné à Glaé Vieux, la mère de Laurent Lamothe. Donc cette généalogie nous prouve évidemment qu'il y a des éléments extrêmement importants dans ce qui avait été raconté en 86, est-ce qu'on avait pas alors dit que c'était à l'époque un enfant. Est-ce qu'on avait rien prévu pour celui qui va être le successeur de Michel Martelly? Je crois que aussi ils ont annoncé par exemple un nom comme Lysius Félicité Salomon Jeune, mais personne ne sait qui c'est. Mais le plus déroutant dans tout ça, c'est qu'on avait annoncé qu'il y aurait quand même un tremblement de terre. Justement, j'allais en parler avec vous et pour avoir eu la possibilité de lire l'article. Et ils avaient prévu qu'il y aurait 300 000 morts. 300 000 morts. Ils avaient annoncé le 16 janvier 86 au Palais National qu'il y aurait dans ce pays 300 000 morts lors d'un tremblement de terre et qu'il y aurait beaucoup de catastrophes. Ils avaient dit aussi à Duvalier ce qu'il aurait dû faire, peut-être ils avaient fait des demandes, mais Duvalier non plus ne croyait pas à tout ce qu'on racontait. Oui, c'est des raconteurs bobards. Des balivernes. Balivernes, oui. Ouais. Mais il semble qu'ils aient prévu une autre catastrophe. Ils ont prévu une autre catastrophe avec 825 000 morts. Et là, il y aurait donc trois jours, suivis de 8 mois vraiment de désastre, je ne sais pas quand. C'est-à-dire, ce sont des prophéties qui vont aller jusqu'à 2036. Donc, de 1986 à 2036. Donc, c'est-à-dire, tout un ensemble d'éléments que j'ai rapporté dans ce journal enquête. J'étais journaliste, dans ma vingtaine, j'avais entendu un ensemble de choses qui, aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Quand je retrouve mes notes, que je les compare, je les regarde, je me dis, écoutez, il faut absolument qu'on voit cela avec beaucoup plus de sérieux. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2014. Et ça s'étend sur une période qui arrivera à terme en 2036, vous avez dit. Mm-hmm. Donc, nous sommes encore dans le timing. Ils ont même annoncé que en 2036, c'est-à-dire, ils avaient dit que 20 ans après votre mort, ce qu'on avait dit à Duvalier, que l'un de ses fils, parce qu'il paraît qu'il a deux fils, l'un d'entre eux se portera comme candidat à la présidence d'Haïti. Ce sont des informations qui méritent d'être relues. Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir sur les bonnes choses évoquées ou encore prévues par ces Onguents? Parce que là, on ne parle que de la mort de Duvalier, des catastrophes, 300 000 morts, ensuite plus de 800 morts. Mais Haïti, est-ce qu'ils ont dit qu'Haïti restera toujours ce pays que nous connaissons nous-mêmes maintenant, un pays pauvre, un pays... dit-on trop riche pour être pauvre, mais pauvre quand même? Non, au contraire, ils ont annoncé une grande prospérité. Une grande prospérité après les désastres. Il y aura une grande prospérité dans ce pays, et comme au temps de Salomon d'ailleurs, Haïti est un pays riche, très très riche, au temps du gouvernement de Salomon. C'est-à-dire, d'ailleurs, on était tellement riche qu'on finançait d'autres pays, et on faisait venir d'ailleurs les Syriens, les Libanais, les Arabes venaient ici pour travailler parce qu'on avait du travail pour eux. Et je crois que cette ère de prospérité va revenir dans ce pays. Haïti va redevenir très très riche et ce sera comme une perle pour le monde entier. C'est-à-dire, il faut pas désespérer de cela. Cependant, c'est à nous de travailler, d'être conscients et d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de dire « Ah, il ne s'est pas qu'à faire ci, ah, il ne s'est pas qu'à faire ça », parce que, avec, bien entendu, c'est ce qu'ils avaient raconté aussi, qu'autant de fois que vous racontez des choses négatives, vous allez attirer le négatif. Est-ce qu'ils ont aussi expliqué les causes des malheurs de Jean-Claude Duvalier?
Ah oui, absolument. Pourquoi il a perdu le pouvoir? On lui a dit que, premièrement, il devait garder sa mère comme gardienne de la Révolution, car selon eux, il semble qu'après la mort de Duvalier, de François Duvalier, le jeune Jean-Claude avait été emmené à 18 ans à l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, où il aurait reçu la bague de mariage de son père, et on lui avait mis ça au doigt en lui disant « Vous pouvez avoir des enfants, des femmes, tout ce que vous voulez, un harem, mais pas de mariage. » Alors il a décidé de se marier à 29 ans, et de changer, évidemment, le pacte qui aurait été signé à cette époque. Mmh. Et ceci a engendré un ensemble de problèmes, car il y avait aussi au Cap-Haïtien un certain Marcel Étienne, un Illuminati, qui avait annoncé à Duvalier que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Mmh. Et il avait assumé et décidé par amont de commettre cette erreur, entre guillemets. Mmh. Vous avez écrit à 29 ans, Baby Doc, en 1980, aurait décidé de se débarrasser de cette bague et aurait pris la décision d'épouser son premier amour, celle qu'il rencontra sur les bancs de l'école secondaire au collège Bird. Absolument. C'est ce qui avait été rapporté à l'époque. Et pour moi, je prenais ça aussi comme des balivernes à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, je regarde de près ces notes. Et quand je les regarde, je me sens parfois pas effrayé, mais je me sens réconforté de savoir que Haïti va devenir une nouvelle Haïti, une Haïti riche. Donc c'est la seule information qui vous plaisait, apparemment. Je cherche toujours ce qui est positif. Mmh. Ce qui est négatif ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses négatives, des choses qui sont arrivées. Moi, je ne fais pas partie des Haïtiens qui désespèrent. Mmh. Je fais partie des Haïtiens qui se battent pour que, justement, l'engagement pris par nos ancêtres soit respecté. Éternel papa, bagayo pas petit du tout. Non, bagayo pas petit, si mieux comprendre là, nous là pour juste 2035, 2036. Bagayo pas petit même, nos frères et sœurs bien-aimés. On nous en 2022. Gen douleur toujours. Gen tout moi. Donc, nous capables de comprendre, dans l'époque, ça te gen bon grand, tout te ouais bien. Et là, c'était bien bon l'esprit. L'esprit n'a pas de mélange dans toute l'audience dans le pays d'Haïti. Je vous l'ai dit, on poste une vidéo pour un et pour une série de monde qui dit comme ça, bon ou gant, oh oui, y'a qu'à faire riche, y'a bobolette, etc. Bon. Ou qu'à faire moun riche? Qui ça qu'il faut pas qu'à faire tête riche? Non. Est-ce qu'on pas gagne famille pour bail boule bolette ça pour aller jouer? Retire ou nan mise, retire ou nan tout mot, Jean pays d'Haïti, dit frères et sœurs. Tout journée ou à moun nan go message li monte bling, bonga ki sa sa, men numéro, contacte m. Bon journée, jodi a tellement gen un gan sur réseaux sociaux, son bagay a pas. L'esprit a pas ta karete vrai, parce que moun konnen l'esprit, ak l'argent bagay sa ou pas marché. L'esprit ensemble avec sexe bagay sa yo pas tellement trop fauté. Yo pas tellement trop collé dans la vie. Pour mon nan dou li gen l'esprit le kababoul bon lettre à gauche à droite et puis toute journée la plume. Toute journée sur réseau social la pèsi toujours gen message ça bien écrit de ton côté. Bon imaginons c'est dans période ça Duvalier te réunion ensemble de Ougan pour dire pour Ougan expliquer le qui ça qui pral passer. Ougan pas tap kadan hein. Parce que t'as dit Duvalier ça l'envie tande et pourtant c'est pas ça. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay yo compliqué dans le pays d'Haïti. Bon, qu'on y a là, pays ça là pour le délivrer jusqu'à ce que une race président Salomon jeune, hein, monte dans tête pays, laisse ça pays à vin unifié, tout bagay pral fait. Bagay yo compliqué, ou frères et sœurs bien-aimés. Non, bagay yo compliqué. Donc, les gros pays qui te fin indépendant, gon série de bagay, nan fè bêtise, fè vie politique sale, n'oublie esprit yo. Donc, c'est normal pour n'a pas se mise dans l'état ça. Parce que, l'opre en pays les États-Unis, moun sa yo pas jamais kate des ancêtres yo. Non. Ge bagay kap ge pou passe nan pays ya, fok yo konne, oui. Faut al check les ancêtres yo pou konne ki sa yo te fait. Comment on est capable de panier de malheur? Mais Babar ici, nous seulement contenter, nous courir prendre pouvoir. Et puis après ça, on est encore. Donc, courir de pouvoir, c'est youn. Mais faut que nous songeons, président qui était là, qui engagement, on te prend sous tête pays. Même j'en ai des timons, nous qu'on a gardé. Timons, nous qu'on rete le levon bon matin pour aller péter courir le fou. Gede maman qui pas de café petit, et puis,
qui a fait une interpellation, créé un esprit carrément. Li dit esprit a des poubam tel petit pral fait tel bagay pour. Là qu'elle fin gè petit li, eh bien, salte dit esprit a, li pas respecté le kounya sa pral agi sou ti moun sa. Gede ti moun ou pa konn kwaze ti moun nan tellement désordre tan kouti démon. Ou pa konn ki sa grand moun ni te fait a ki de l'eau te bel. Donc ça qui konn passe parfois grand moun nan pas expliqué ti moun nan sa. Et puis s'entende ya, si moun nan li même la passe misère. De même, gon série de gros sacrifices qui fait pour pays d'Haïti, gon série de gros esprits qui te relè. Donc, nous pas respecter ça nous te dit ensemble avec yo. Nous humilier yo, nous mépriser yo et puis journée jodi a, gardez nan ki ça nous tombe. Bon, on t'a souhaité temps passer vite et puis pour nous tomber dans Haïti li douce là. On comprend pour pays ya reprend normalement. Pour que l'économie soit capable de relever, pour que l'autre nation soit capable de respecter nous tous. Donc, l'essentiel, c'est travail pour nous travailler. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée aujourd'hui, hein. Son bagage extraordinaire. Hein? Pendant qu'on a ramassé cadeau pour la mariée. Oui, son mariage mal suivi, frères et sœurs bien-aimés, j'en ai regardé l'image ça. Pendant qu'on a ramassé cadeau pour la mariée, il a passé comme il a ramassé l'argent. Et puis, une femme qui saute côté le sorti, non, panier qui t'est nommé, monsieur, lui déposait un petit bébé. Ça, c'est cadeau le fait, monsieur. Hein, lui déposait un petit bébé, lui baille monsieur un petit bébé. Ah, et cadeau le fait, bon, mais peut-être lui qu'a connu madame Maria, pas qu'a fait petite. Lui baille un petit bébé. Aïe, 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 donc. Ou même qui femme qui t'a dans la position, ça, pendant qu'on marié carrément, n'est-ce pas, pas de jambe d'où lui gagne petite d'ailleurs. Il a toujours dit ou li fidèle ensemble avec ou li pas aucune autre fille. Et puis pendant il a ramassé l'argent pour dans l'église là, c'est gado gado ou l'autre femme vini, li déposer un petit bébé. Ou mais c'est gado gado ou l'autre femme vini, li campé dans prête porte là par en bas et puis il dit al jeune papa ou. Qui sont t'a fait? Est-ce que ou pas t'a marié encore? Est-ce que ou t'a continuer vivre ensemble avec nègla? Est-ce que t'a continuer vivre dans plaçage ensemble avec nègla? Est-ce qu'on t'a sorti avec, oui, je suis marié, et pour le meilleur et pour le pire, ensemble avec l'un dans l'église, là? Est-ce que, ou t'a commencé à battre nèg ça, depuis l'église, là? Pas hésiter, quitte commenter par où, dis-nous, qui ça ou t'a fait? Frère, c'est ça, bien aimé, nouvelle ça a choqué la République. Ministre Justice, là, Bertrand Dorcé, selon information qui arrivait, joindre nous, débarqué dans ville au Cap. Il va arriver au Cap et puis il allait dans un restaurant, la caille. Un si bel restaurant, un bon petit bagay, femme au Cap, I love you so much. Non, yo kon dis douet yo. Ça, pas de menti là-dedans. Eh bien, qu'est-ce qui passait? Il va arriver dans un restaurant, il y a deux citoyens qui ont gardé mini-justice là. Y a gardé donc son autorité qui sorti pour ton prise. Femme qui a gardé femme qui a étudié. Ça veut dire si je contre mini-justice là pour m'a gardé l'anger. Et même dans la corruption ensemble avec le ministre, là, ça que fait pas garder dans les yeux. Ministre, ça que fait ou pas garder dans les yeux, s'il vous plaît. Donc, le ministre dit nous, qui ça que fait ou pas garder dans les yeux? Avec depuis au garder dans les yeux, ou suspect? Mais non, au contraire, c'est ministre qui pas supposé garder mon dans les yeux. Pas ce ministre. Tu te souviens? Ou fait n'importe 6 mois en prison pour dossier drogue. Mais moi, je n'ai aucun dossier sous dos, ça que fait pas garder dans les yeux. Et le pire, dernièrement, on fait changer nom. Ou changer nom carrément dans l'archive nationale, tout papier net. Oui. Et puis, quand il y a là, moun pa ka gado dans les yeux. Ça que fait moun pa ka gado dans les yeux, ministre, expliquez-moi. Et on sa grave là, frères et sœurs bien-aimés, côté d'un pourri de force sous mon ennemi. Plus passé 2 semaines depuis bandi, ils ont pris un paquet en otage. Jusqu'à présent, ministre n'a pas ka gado ti monsieur dans les yeux, non? Hein? Li pa ka pran aucune décision contre ti monsieur pour ti monsieur posez nous retirez quoi nous là la pas là nous pour bay ti monsieur mon impression pas chame une décision qui capable prendre pas chame une réponse qui bay et puis kounya là c'est nan non pour faire sort tout contre l'esprit moun frères et sœurs bien-aimés en retendez audio ça comme ça nous va comprendre pour qui ça ministre là mettez ti monsieur dans garde à vue. À nous suivre. Condition que d'arrêt. Hier soir, madame la caille restaurant, on se voit que le partenaire, nous avons remarqué qu'il y a. D'accord.
On en a foué. On a des millions d'hommes, monsieur, forcément, pour me faire téléphone. La gagne de photos, il y a des photos. La gagne de messages, il y a des messages. Vous avez fait photo à ministre? Non! Pour que ça aille mettre mon téléphone là après. Tu vois, c'est pas de monde. Vous voyez? Pour que ça c'est ça, tout est complet. Mais qui motive l'arrestation, le dirait, sous notre pied? On a un hôpital, c'est laissé à la nuit, il là, mais demandez nous est-ce que nous est-ce que nous va arrêter? Mais ça n'est pas vrai. Non, il faut y chef. Bon, c'est un homme, comment le c'est le grand chef qui est qui vient mettre mon téléphone? On est après de me défendre avec Oni. Oni, on a arrêté, Oni, ça casse, ça casse. Les gars, on voit ça, tu vois. Il dit, fais pas, là, si vous voulez, c'est la Oni, tu peux mentir, on va dire, on va dire, on va arrêter. Et puis, pas pour la dame, c'est où que tu as supposé cacher, puis qu'on y a là, c'est.